Et salut tout le monde, c'est Fatalik aujourd'hui dans ce point de vidéo Unfamous. Donc on se trouve à la base. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part que j'ai contrasté un petit peu ce petit schéma avec de la white sand dans les chaînes du sable rouge. Donc voilà, j'ai juste fait ça à la base à peu près. Après j'ai fait un peu plus de trucs souterrains là-bas. Aussi dites-moi si vous avez une idée de lampadaire pour la route, je sais pas. Donc voilà, après là si on descend, on a comme avant ici, hein, c'est la même chose qu'avant. Donc voilà, la piste elle décoffre tranquille. Après on descend ici, j'ai fait un petit truc RIP 69. Voilà, parce que c'est mon petit piggy. Donc je l'ai mis dans ma tombe. Donc voilà, il est juste ici. D'ailleurs, juste poser ça au passage. Et ça. Et là, je crois que c'est. Ouais, c'était là. Donc voilà, après ici, je crois que ça vous avez vu le petit truc à Netherwart. Vous cassez, il y a des hoppers en dessous qui amènent dans ce coffre-là. Après ici le petit truc à fourche, je crois que vous vous montrez, hein, vous mettez cette descente ici. Après là, et après un petit passage secret. Hop. Enfin, il est pas secret vu que je vous fais une vidéo, mais voilà. Et là justement c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va essayer de faire une salle ici. Donc j'ai commencé à la creuser, je vous reprends quand la salle est creusée. Donc d'ailleurs j'avais pris des sticks pour faire des torches. On va rapidement prendre un peu de truc. Hop, voilà, ça doit suffire. Hop, il m'a commencé à creuser une salle, donc je vais essayer de la creuser un peu arrondie. On est la couche combien? 48. Donc là ça va faire mon, ça va être mon accès de mine. J'ai eu des quelques idées, donc je vais vous montrer ça et on se reprend juste après. Allez, enfin je vais creuser la salle. Allez, à plus tout le monde. Donc creux tout le monde. On se retrouve après avoir creusé la salle, donc je vais vous montrer à peu près. Donc voilà, j'ai creusé la salle. Je crois que je vais juste faire un petit truc comme ça. Yep. Je crois que je vais mettre le comme ceci. Hop. Donc pour que vous voyez à peu près ce que j'ai fait. Voilà, vous avez vu le petit truc en bas. Je crois que c'est ici. Non, c'est ici. Hop. Là, donc vous avez le gros puits au milieu comme vous pouvez le voir. Donc voilà, en fait vous avez la petite salle là comme ça où je vais décorer un peu tranquille, et après ici vous avez le gros puits et on va sauter dedans, et en fait va avoir des blocs de slime au bout. Vous allez rebondir, rebondir et après vous allez être à la bonne hauteur pour rentrer dans la minoptie. Je sais pas si vous comprenez, mais on va essayer de faire ça maintenant. Donc là j'ai tous les matériaux, ce qu'il va me falloir, je crois que c'est je vais essayer de faire des trucs de gravier, pour essayer de faire un truc un peu naturel. C'est comme c'est un peu un passage secret, je vais faire gravier, andésite, gravier, andésite, stone. Je vais mettre un peu des trucs naturels, comme c'est comme si c'était passant cette là et tout. Faire un peu plus RP, j'aime bien les trucs RP. Donc voilà, on va faire ça. Mais il me faut des vines. Et je sais qu'il y a un biome jungle près du spawn. Et je crois que je vais y aller. Parce que c'est tout ce qu'il me faut. Je crois que du gravier j'en ai. Hein. Ouais, j'en ai pas des masses, j'en ai un petit peu. On va en prendre de la stone, j'en ai. Du charbon, on va mettre ça ici. Youp. Hop. Après ça, je vais faire cuire. D'ailleurs, aussi, j'ai amélioré rapidement mon armure. Donc voilà, vous pouvez voir. J'ai mis des unbreaking sur quelques trucs. Donc voilà, hop, oh merde, où je vais, faut juste que je mette ça, hop, ici, et ça ici, c'est bon, c'est juste où, donc voilà, j'ai bien creusé quand même. Donc je crois que je vais commencer, le sol, je crois que je vais faire un truc genre gravier, moi aussi stone, je vais mettre pareil au mur, je crois que les vignes, les lianes, je les rajouterai après coup. Donc on va commencer à faire ça. Hop, on va chercher ce qu'il nous faut. On va prendre deux petits coffres. Enfin, hop. Là, on va prendre tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire, on va prendre de la cobble. On va faire comme ça. On va bien servir. Hop. Hop, on va prendre de l'andésite. On va tout prendre.
Hop, et on va prendre tout le gravier. Hop, et on va prendre toute la moissie aussi. En fait, on va tout prendre. Donc la moissie, maintenant, ça se craft dans la snapshot. Donc là, que j'irai en crafter après, une fois que j'aurai les lianes. Je vais voir ça après. Donc là, je crois que ici, je vais commencer à faire la transition. Ah, il me faut de la stone aussi. On va poser les deux coffres. Allez, le poser. Un drop, pas que ça me gêne. On va le poser genre, ici. Hop. On va tout poser. Tout poser. On va prendre un peu de stone brick. Enfin, de la stone, quoi. Tout court. Toujours le petit zombie. Salut, ça va. Tu me le captes, parce que je vais lui changer une petite épée en diamant après. Je sais pas. Donc, stone, c'est où stone? C'est là. On va prendre un peu. Hop. Youhou. Là, voilà, c'est bon. Perfecto. Ok. Ok, ça me l'air bon. On va crafter un peu de stone brick. Hop. On va faire un petit truc, genre on va creuser un peu comme ça ici. On va faire. J'ai pas du tout de bois par contre. J'espère que j'ai une table de craft. Donc comme ça, genre un peu comme ça, comme ça. Hop. Hop. Et genre comme ça. Et après ici on va mettre de la stone. Ici il faut une petite table de craft que je vais aller chercher immédiatement. Allez, go go go. Peut-être que je veux faire des petites ellipses, je vais vous montrer des petites ellipses, je vais vous montrer vite fait le début du pattern et après j'irai faire ça en ellipse. Go go go. Donc très bien placé comme table. On va pas la placer ici quand même. C'est ici, on va faire c'est quoi que je voulais faire avec des escaliers. Hop. Donc juste mettre genre comme ça. Non, on va mettre comme ça. Est-ce que je peux mettre genre comme ça? Non, je vais mieux travailler des escaliers dans le coin. On va faire un truc comme ça peut-être. Casser, non ça marche pas. Ok, on va laisser comme ça. Hop, donc on va peut-être mettre comme ça. Et après ici on va mettre une dalle de cobblestone. On va faire quelques petites dalles de cobble. On va faire un truc comme ça. Donc je vais essayer de faire un truc genre un peu mal propre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc après ici là comme ça. Hop. On va mettre il n'y a pas andésite et la stone gel sur moi, ça on va virer là dedans, il n'y a pas besoin d'avoir de l'andésite, la stone ça n'est pas besoin et la cobalt, on va essayer de faire un petit truc genre comme ça. Après je sais pas si ça rend bien vraiment mais j'espère. Comme ça. Genre un peu comme si, j'ai pas envie que ça fasse trop genre mal, pas que, enfin que qui se fait pas travailler. Je crois que ça va donner cette star là. Ça j'ai pas trop envie que ça fasse ça. Hop. Faut vraiment y aller n'importe comment. Quand on fait des trucs comme ça, genre des routes ou n'importe quoi, faut vraiment y aller n'importe comment et après ça, c'est là que ça va rendre le mieux. Peut-être mettre un peu de mossy stone. Pour dire qu'on a mis une touche quoi. Donc genre là où il y a la cobble, mettre un peu de mossy stone juste peut-être vers le haut, je sais pas, genre faire un peu genre comme ça, un truc comme ça là, genre hop il y a comme ça pour faire un peu genre passage secret. Au sol on va mettre du gravier, je crois pas qu'on va en mettre sur les murs. On va tout creuser, attendez, je vous reprends, je creuse juste fait le sol et on se trouve pour faire le sol. Donc on a closé le sol, donc on va vite fait faire le sol. Donc vu que je rajoute dans ma barre d'inventaire le petit gravier, il est où? Là. Donc on va. Donc comme vous avez dit, étaler un peu n'importe comment la stone d'abord. Faire des petits L comme ça, ça rend plutôt bien. Attendez, peut-être que ça c'est un peu trop. Là, voilà. Hop. Hop. Et hop, comme ça, après on va mettre la petite cobble.
Merde, j'ai pas placé des blocs. On va faire la petite cobble comme c'est. Là, 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 là. J'ai pas posé la cobble, hein. Et après, on va prendre la petite moussie, on va la coller un peu. Pareil, comme ça, à la cobble. Pour essayer de faire un peu la moisissoule. La moisissoule de la cobble. Peut-être comme ça, hop. Comme ça, un peu comme ça, casser, hop, voilà, un peu comme ça, boum, ça fait bien, bien grotte là. Après, on va finir avec, on va mettre un peu de gravier, il est là le gravier. Et après, pour finir de contraster, on mettra de l'andésite. Hop. Ya ya. Hop. Voilà, juste ici, on va casser parce que ici, j'ai rien fait du coup. Hop. Hop. Ah, donc ici, on va mettre quoi? On va mettre un peu de stone. J'ai trop peur de tomber dans ce trou. Je sens que je vais tomber au bout d'un moment. Foot cobble. Un peu de gravel que j'ai. Je sais même si je suis là. Et on va mettre juste de l'andésite. Hop. Hop. Et je sais pas ce que ça donne. J'ai pas fait de test en créative. Oh, mais ça a l'air plutôt. Ouais, ça va. C'est plutôt grotte. Hein. Donc un petit trou comme ça. Ici, on va faire ça pour contraster entre les deux. Ça va faire beaucoup de contraste dans cet épisode, je le sens bien. Tous les contrastés qu'il va voir dans cet épisode, ça va être un bizarre. Attendez, ici, il n'y a pas un petit fail. Si ce pilier, il n'a pas à être lui, il n'est pas censé être ici. Ouais, bah, je crois que c'est bon là comme ça. Donc vous avez vu à peu près ce que je veux faire. Hein, et j'essaie de faire des petits trucs genre comme ça. Creuser, après essayer de mettre genre une petite torche cachée. Vous voyez, faire un petit truc genre comme ça. Mettre un peu de cobble et tout pour essayer de le cacher au maximum. Ouais, un petit truc comme ça, des petits trous. Dans tous les sens, après ça peut pour cacher la lumière. Mais je sais pas encore. Donc voilà, j'essaie de reproduire ça un peu partout sur les murs et tout. Essayer de faire. Parce qu'après ce qu'on peut faire, c'est des petits trucs comme ça pour faire. Des petites sortes de lianes et tout, après je mettrai des lianes et tout, ça va tout l'ajouter, ça va péter, ça va luxer du poney, donc je vous reprends quand j'ai fini la salle à tout contrasté. Donc allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve à la jungle. Donc là je vais prendre un peu de lianes. Donc là-bas en fait il y a le village, là on a voulu capturer les PNJ pour l'usine à fer qui spawn, donc que je vous ai pas montré d'ailleurs. Donc voilà, je vais prendre vite fait des lianes pour la décoration. Donc on va pas monter comme ça. On va aller tout en haut comme ça. Et on va prendre plein de lianes. Et je vais essayer d'en prendre pas mal quand même. Parce qu'après c'est assez simple à cultiver. Entre guillemets. Attendez. On peut pas mettre genre dessus. Non, on peut pas. Ok, bah on va farmer comme ça. Hop, hop. Donc voilà, on va se faire plein de lianes. Regardez comment ça. J'ai oublié comme ça coupait rapidement les feuilles avec les ciseaux, c'est un peu abusé. Hop. Allez, on va prendre plein de lianes et on se retrouve donc à la mine quand j'aurai fini peut-être le bâtiment, quand je vais poser les lianes. Allez, à tout de suite. On se retrouve chez Astalos, donc dans sa mineshaft. Il s'est aménagé juste en dessous, au-dessus d'un mineshaft. Donc pour prendre des petites ficelles avec ma Silk Touch Infinity. Enfin non, elle peut pas se casser vu que... C'est pour prendre la glowstone. Quand on prend des blocs avec la silk touch, bah ça ne fait rien. Parce que vous prenez des leaves ou des de la laine de mouton, ou des vignes ou des, enfin, tout ce qui est feuillage. Donc voilà, on va essayer d'en prendre un peu pour améliorer le côté mine. IRP. Donc voilà, on se trouve après. Re tout le monde, on se trouve à la base. Donc on se retrouve à la base comme je viens de le dire. Donc je vais vous montrer un peu mon avancement. Hop là. On monte et tada! On a notre petit passage secret. Donc le seul petit problème c'est l'éclairage, je sais pas où le mettre. En fait, mettre là-dedans,
je trouvais ça trop compliqué, genre creuser dans le mur et tout mettre. C'est un peu trop compliqué et j'aime pas trop, donc je crois que je vais mettre des citrouilles ou des trucs comme ça, un peu par terre dans les coins, trucs comme ça. Donc ça, on va le faire après. Donc voilà, sinon ça rend pas mal, je trouve. Et là, il y a le glotto au milieu. Et là, on peut sauter au milieu et vloum, on reproduit. Donc ça, on va faire ça ensemble. Et il manque aussi le posage de. C'est pas ici, c'est là-bas. C'est où, je l'ai oublié. Le posage de. Le truc que j'ai fermé de Cobweb. Je crois que je l'ai mis. Ici. Ouais, je l'ai mis ici. Hop, parfait. On va le mettre là. On va en mettre un peu dans les coins, vous voyez, genre comme ça. Tout. Zizi. Hop, comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Alors ici, et voilà, donc je trouve que ça va. On va peut-être en mettre. Ah non. Ah non. Il y a le petit truc derrière, ça va. On va pas laisser comme ça du coup. Donc voilà. Ça fait ça. Ici, on va mettre pas mal quand même qui vont tomber, genre comme ça. Comme ça. Ah, hop, qui tombe. Une qui tombe comme ça. Voilà, ça rend pas mal. Donc voilà, c'est une petite mine, genre pas très propre et tout. Donc après, on se met ici et on saute là. Et là, on se colle ici. Et ça marche pas. Faut que je le baisse. Ok, je pensais que ça allait marcher et tout, mais non. En fait, c'est mon premier test, parce que ça prend 3 ans à monter après. Ok, faut que je le baisse un petit peu, je crois. Genre de quelques blocs. Merde, je creuse ici. On va le mettre. Non. Je crois que c'est genre peut-être ici. Et d'ailleurs, regardez-moi cette chatte que j'ai. Regardez, je creuse 2 blocs et vloup du diable. Juste pour commencer ma petite minopsie. Donc, oh, bah, ça m'inspire un peu confiance quand même. C'est pas mal. Donc, on va faire comme ça. On va mettre le petit truc ici. On va mettre ça. Comme ça. Je sais pas si c'est là. Non. Non. Je suis nul. Je suis un loser. On va remettre le gravier en haut. D'ailleurs, je vais prendre celui-là aussi. Donc là, on va tenter le truc que je tente tout le temps, que je réussis jamais. Mettre l'eau ici. Donc, il y a. Youhou, voilà. Oh là là. Ok, là ça fait un truc bizarre. En fait, c'est pas tout le temps. C'est un peu bizarre. Bon, on va monter comme ça. Vous savez quoi? On se retrouve juste en. On se retrouve, on est à peu près en haut. Donc, en principe, à partir de là, ça doit le faire. Donc, j'ai mis des lianes aussi ici. Tard, je n'ai pas mis juste ici. Là, faut que j'en mette. Donc, là, je peux monter en principe. J'ai mis des lianes un peu dans tous les sens. D'ailleurs, je vais en prendre justement pour les mettre là où ils doivent être. Doivent être. Putain, quelle magnifique vision. Oh, fatalique. Je savais pas que tu étais aussi fort. Voilà, comme ça, on en met un peu n'importe comment. Ça qui est bon. Ça qui est bon. Ça, il faut les mettre n'importe comment. Et on va ressauter. Juste attendre que l'eau s'enlève. Donc voilà, ça rend plutôt bien, je trouve, comme salle de mine, c'est genre ma petite mine et tout. Après, pour l'éclairage, je crois que je vais mettre vous savez, les torches dans les citrouilles, je vais les mettre un peu dans les coins par terre. Comme ça, je pourrais recouvrir de carpet gris. Un truc comme ça, je sais pas. Il y a toujours l'eau. Non, c'est bon. Zup. Premier saut, deuxième saut. Et vous, tranquille, posé. Et là, si je suis remonté, je vais faire un truc ici. Genre, un peu. Comment dire? Pas propre. Ouais, je crois que je vais faire un truc genre juste à côté ici. Ouais, on va faire ça. Faut que je. Non, on va pas creuser ici. Tout de même. On va creuser ici. Et en fait là on est à la couche 11, donc on va creuser un peu tout droit. Et vous voyez en fait je vais faire un truc, je sais pas si vous regardez
Sérieux, il y a une mine ici? Oui. Narc. Ya. Ya. Batal. Putain. Et par contre, je le vois pas. Ya. Ah. Magnifique. Hello, Craft Production. Il y a Pris PP, donc c'est un nouvel arrivant. Il y a une petite chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la description, vu que c'est un nouvel arrivant. Je crois qu'il va s'en faire une, un truc comme ça. Voilà, il est arrivé 2-3 jours. L'anecdote est ta. Ok, il y a quoi? On va vérifier, on va visiter vite fait la glotte en direct. Ah, vous aimez pas les pattes, pattes. Je vais tuer cette salope. Ok, je le décharne sur une souris. Là, c'est un peu violent. Bref, on va juste remonter. C'est juste. Je l'ai vu le diamant, hein, ne vous inquiétez pas. Regardez dans les commentaires, genre, hey, il y avait des diamants. Je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Oh, il y a tout le monde. Oh putain, il y a tout le monde qui se ramène. Red Wolf. Putain, il y a le gravier juste à côté, ça m'a fait assez flipper. C'est bon, je m'appelle au pire. Ah, mais ça, le gravier, c'est normal. Hop. Hop, hop, hop. Et là, je suis où? Bah voilà, ça peut faire un petit truc ici, comme ça, tranquille. Ici, je vais mettre, je vais prendre des vines. On va les mettre et ça fera la petite remontée. J'aurais pu faire un ascenseur, un truc comme ça, mais... Flemme. Ouais, donc ça va tout pousser. On va prendre le reste des vines. Ça doit suffire. Ouais, ça doit suffire. Donc, attendez. L'accès, il est ici. Hop là. Ça, je vais pas aménager. Hein. Je vais mettre les lianes. Un peu à l'arrache. Genre, va, papa, papa, papa. Donc, ouais, je vous ai dit, je crois. Ouais, le problème, c'est que les lianes, ils sont dans. Voilà, c'est bizarre. Il y a deux côtés. Ouais, donc les lianes, ils sont dans. Dans le désert, enfin dans la savane, et du coup ça les fait un peu jaunâtre comme ça. Oh, c'est pas très très gênant, mais c'est un peu bizarre quand même. On va garder nos lianes. On va mettre juste un peu genre ici comme ça. Du coup, j'ai un accès propre entre guillemets. J'ai plus de gravel. Je déteste faire. Enfin, non. J'aime pas ceux qui font l'accent en anglais comme ça d'un coup, mais bon, je le fais quand même parce que je m'amuse. Ok, donc je vais sauter là, hop, genre youhou, yolo yolo. Et loup, là je rentre tranquille. Juste pour la fin de la vidéo, on va quand même aller est-ce que si je lance un... Ah, trop dommage, je voulais voir s'il rebondissait. J'ai pas de torche non plus. Non, juste pour la fin de la vidéo quand même, on va aller j'ai l'impression qu'on va plus vite sur les lianes que sur Michel, mais je crois que je me trompe. Ouais, on va vite fait aller chercher une pioche fortune pour miner ça. On a juste passé aussi. Enfin, le screenshot de la vidéo. Hop, au passage. Lol. On va aller chercher le petit truc. C'est quoi que je voulais dire, putain? Ma fortune. Ok, elle est là-bas. Fortune, t'es là. Merci. Merci bien. On va descendre à la swag. Comme d'hab. Youhou. Swag. Merde. Putain, sérieux, la toile d'araignée. Je crois que je vais l'enlever celle-là. Elle est un peu trop sur le passage quand même. Donc, youhou. De 1 jump et youhou. De 2 jump. Donc je sais pas si les visiteurs entre guillemets, j'aime bien dire entre guillemets aussi, les visiteurs ils vont pouvoir, ils vont comprendre qu'il va falloir sauter comme ça. Peut-être que je mettrai des petits panneaux pour le lulz. Donc ça me fait combien de diams? 13 diams, ça, oh, bah, c'est sympa quoi. Hop, on va juste boucher ici, pas qu'on nous embête. Et voilà, donc on va finir l'épisode là-dessus, on va remonter de sec. Donc on va remonter, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, moi en tout cas... J'ai pris du plaisir à le tourner. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, aller la voir
allez voir la chaîne des autres participants de Unfamous. Et moi, je vous dis, voilà, je vous rappelle que le serveur est sans invitation. Donc voilà, à plus tout le monde. Bye bye.